Bonjour. Aujourd'hui, avant d'en venir à, au thème annoncé, Trump contre Huawei, USA contre Chine, j'aimerais faire un commentaire sur les élections qui viennent de se dérouler, qui étaient européennes dans toute l'Europe, mais aussi nationales dans mon pays, la Belgique. Et s'il y a des euh, raisons de se réjouir avec la montée des Verts belges, et la prise de conscience du problème de la pollution de l'environnement et la montée de la gauche radicale sociale avec le PTB il y a aussi euh, des choses très très inquiétantes dans le nord du pays un parti fasciste le Vlaams Belang dont les dirigeants se cachent très mal d'être des admirateurs du nazisme et dont une des vedettes, Dries van Langenhove, s'est rendue célèbre et vient de faire un tabac aux élections en publiant sur Internet euh, des images et des commentaires, euh, pas seulement racistes, quasiment nazis. Donc c'est très euh, inquiétant de voir que dans le nord de mon pays, le deuxième parti en euh, voie est un parti fasciste. Qui a des liens avec le Vlaams Belang, Salvini et les autres groupes d'extrême droite en Europe. Le premier parti étant un parti nationaliste de droite très très radical, c'est le moins que je puisse dire, raciste aussi, qui a fait toute la promo avec un ministre qui s'appelle Franken, une répression vers les réfugiés, et qui a fait la promo du Belang. Donc il ne faut pas s'étonner qu'après les voix aillent directement aux fascistes. Donc c'est très très inquiétant. Je pense que ça nous pose une responsabilité. Euh, il y a évidemment des forces qui réagissent contre ça, mais la responsabilité des partis traditionnels, euh, libéraux, chrétiens, social-démocrates dans mon pays, qui ont laissé tomber les, les petites gens, qui ont laissé tomber euh, la population, euh, qui ont prolonger la durée au travail, abaisser les pensions de retraite, abaisser les salaires de toutes sortes de manières, créer énormément de pauvres évidemment sont responsables de ce que on fournit ainsi une alimentation au groupe fasciste qui dit c'est la faute aux étrangers, c'est la faute aux immigrés. Donc, je crois que on va devoir prendre ses responsabilités en ce sens qu'il me semble que la gauche qui en Belgique s'en sort bien. mais en France, c'est catastrophique les différentes forces qui se réclament de la gauche, on va dire on va pas entrer dans les détails, font à peine 18% en France donc c'est historiquement bas, il y a vraiment une réflexion à avoir. et je crois que Investi Action, qui insiste depuis des années sur la lutte contre la guerre, a un rôle à jouer parce que les immigrés ne tombent pas du ciel. Les immigrés sont provoqués par la guerre économique des multinationales contre les pays euh, africains, arabes, asiatiques, latinos, et par la guerre tout court qui provoque évidemment des réfugiés. Et de ça, on ne parle pas. Donc, on a ces ministres d'extrême droite et fascistes qui viennent se présenter comme défendant les petites gens, mais non, c'est eux qui ont fabriqué des millions d'immigrants et qui euh, aident le patronat, en fait, à, à diviser les travailleurs sur ce plan-là. Donc je crois qu'on a une grande responsabilité à jouer et euh, j'appellerai chacun à aider à renforcer AFC Action, qui a besoin de beaucoup plus de moyens pour remplir euh, sa tâche. On vient à Huawei, on vient à Trump et on nous a dit, évidemment, Trump dit, voilà, euh, on sanctionne Huawei, on l'attaque parce que il euh, viole la sécurité le gouvernement chinois pourrait euh, espionner les conversations téléphoniques alors ça c'est drôle parce que je vous apprends rien nos conversations téléphoniques sont déjà espionnées depuis des années euh, par les firmes des États-Unis par la NSA et la CIA euh, la preuve se trouvait dans un livre de Glenn Greenwald euh, qui raconte l'affaire Snowden et qui raconte ce que Snowden a révélé. Et donc, en euh, 2011, Microsoft rachète Skype et 600 millions d'utilisateurs inscrits. Et les messages internes de la NSA en 2013 se félicitent du fait que Microsoft fournit à la NSA, l'accès aux communications de tous les gens comme vous et moi qui utilisent Skype. Et donc, ils expliquent dans leur note là que ces six derniers mois, la NSA, le FBI, donc la police, service de surveillance interne, et la justice, pardon, se sont coordonnés pour envoyer tous les sélecteurs Microsoft actuels et à venir à Skype. 9000 sélecteurs ont été envoyés ce qui a permis une collecte qui sans cela n'aurait pas été possible. Donc on est dans l'hypocrisie totale. Euh, et euh, là aussi, Microsoft était tout à fait au courant. Euh, L'équipe de l'unité technique d'interception des données du FBI travaille avec Microsoft pour ajouter une fonction additionnelle à outlook.com, donc c'est l'ancienne version de, de leur programme mail. Et euh, le Greenwald ajoute... Que la NSA partage l'énorme les, les manne de données avec le FBI et la CIA. Donc on est dans l'hypocrisie totale. D'ailleurs, Ahmed Ben Sada, dont Investi Action a publié Arabesque, enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes, avait très très bien expliqué comment le Pentagone, la FBI, aussi dans les révoltes arabes de 2011, avait étroitement collaboré avec Facebook, Google, YouTube et Twitter. Donc, il faut se faire aucune illusion, ces firmes-là travaillent à nous espionner et travaillent avec la machine de guerre des, des États-Unis. Et donc, il faut voir que le vrai problème, la vraie crainte de Trump et de l'État derrière lui, c'est que les États-Unis, les firmes états-uniennes dé... sont en train d'être dépassées en fait par la technologie des entreprises chinoises et des firmes pour, pour la 5G. Et donc, le vrai problème, c'est qu'ils craignent d'être de plus en plus dépendants des entreprises chinoises pour leur technologie. Et donc, on doit réfléchir comment ça se fait que les États-Unis, qui étaient en pointe de l'économie et de la recherche, se sont fait euh, dépasser. On va donc, dans une deuxième partie, analyser euh, cette euh, force de l'économie chinoise. Je crois qu'il y, y a intérêt à réfléchir sur ça. Et dans l'immédiat, on va déjà voir qu'est-ce que Trump peut faire par rapport à euh, Huawei. Le but est vraiment de couler cette firme concurrente, de vraiment... Euh, la détruire, la mettre en faillite, et en fait Trump donc a menacé Huawei et il a euh, fait pression pour que Google cesse de collaborer avec Huawei, que ce soit plus disponible que Android ne soit plus disponible sur Huawei, les Gmail et tout ça. Mais quelle va être la réaction Mais bah, tout simplement Huawei a déjà annoncé qu'ils sont en train de préparer un contre-logiciel à Android, qu'ils vont développer tous des logiciels pour pouvoir se passer de ce que les États-Unis ne veulent plus fournir. Et donc, en fait, les sanctions, les, la, la guerre déclenchée par Trump contre Huawei risquent tout simplement de se retourner contre l'industrie des États-Unis. Et là, il y a un petit cartoon qui le montre de façon assez drôle. C'est-à-dire que Trump, en Déclenchant la guerre économique de cette manière contre la Chine, elle ne doit pas oublier, un, que ben, les États-Unis vendent à la Chine. Donc si la Chine commence à bloquer ses importations, ça va poser de gros problèmes pour l'emploi aux États-Unis. Que les États-Unis dépendent de la Chine pour toute une série de produits qu'ils importent. Donc s'ils ne les ont plus, ils vont devoir les remplacer. Ce n'est pas évident ça va être plus cher. Donc, la position concurrentielle de ces entreprises de, des États-Unis va aussi être mise en danger. Une guerre économique, clairement, risque de se retourner tout simplement contre les États-Unis pour la raison que leur économie est affaiblie. Une autre menace que la Chine peut faire peser en représailles, c'est tout simplement étant donné qu'elle détient une grande partie de la dette des États-Unis, ce qu'on appelle les bons du Trésor. Les États-Unis sont un pays super endetté, quasiment en faillite. La Chine a acheté beaucoup de ses obligations. Elle en a un peu relancé, revendu, je veux dire, ces derniers temps. Et si elle lâche à un moment donné, l État, les États-Unis est carrément en faillite. Une autre menace qu'on a signalée, c'est que les terres rares, donc toute une série de minerais très rares et très nécessaires dans une série de productions économiques, c'est la Chine qui en produit 95% de ce qui est actuellement vendu et les États-Unis importent 80% de cette terre rare. Donc, il y a déjà eu des indications au niveau de l'État chinois que si jamais les États-Unis deviennent trop agressifs dans leur guerre économique, la Chine pourrait faire pression en... Euh, refusant de leur vendre des minerais dont ils ont absolument besoin. Alors il y a une chose importante à savoir. J'ai parlé de guerre économique, et là il faut savoir que États-Unis, pas tous les euh, secteurs du capitalisme sont vraiment décidés à mener cette agressivité de Trump. En fait, il y a des opinions très différentes. Et vous avez par exemple l'économiste Jeffrey Sachs, qui est un économiste néolibéral très réputé euh, aux États-Unis, a déclaré, je cite, Les États-Unis et non la Chine constituent la véritable menace à la légalité internationale, c'est-à-dire qu'il souligne que Trump, en faisant arrêter la directrice financière de Huawei, vous vous souvenez, au Canada, en faisant ça, en faisant arrêter cette euh, dame, euh, euh, viole la légalité internationale. En effet, il a, elle, a, il est, elle est accusée d'avoir violé les lois des États-Unis contre l'Iran. Bien, Sachs fait remarquer qu'il y a toute une série de grandes firmes et de grandes banques des États-Unis qui ont violé les sanctions contre l'Iran, ou Cuba, ou le Soudan, et qui ont donc fait beaucoup de commerce avec ces pays-là. Dans leur intérêt et qui ont été obligés de payer des amendes euh, décrétées par les États-Unis. Morgan Chase, par exemple, une des grandes banques, a payé 88 millions de dollars en 2011 pour avoir violé les sanctions américaines à l'égard de ces trois pays. Bon, mais le PDG de Morgan Sachs n'a pas été arrêté dans un avion et euh, menacé euh, d'être jugé euh, et euh, mis en prison et menacé d'être jugé. Et donc, il y a toute une série, ça donne toute une série d'autres firmes US très importantes qui ont vécu les sanctions. Donc, ça fait clairement partie d'une guerre économique contre la Chine, mais qui, qui risque l'escalade, évidemment. Et il y a beaucoup de capitalistes aux États-Unis qui pensent que les sanctions ne sont pas une, une, une solution que l'idée que les États-Unis devraient acquérir leur indépendance technologique et couler Huawei et développer leur propre technologie à la place n'est pas vraiment possible, l'indépendance technologique, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est fabriqué euh, technologique dans le monde combine des pièces qui viennent des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Europe, de Chine, et donc il n'y a pas de technologie purement indépendante, il n'y a pas d'indépendance technologique possible. Alors la question c'est, pourquoi les Chinois se sont renforcés et les États-Unis se sont affaiblis sur le plan des technologies où ils avaient une grande avance Depuis, en fait, ils ont dérégulé, comme on dit, le secteur des télécoms en 1996 et ça a joué un rôle. Ils ont dérégulé, c'est-à-dire que les entreprises des télécoms privatisées ont pu se livrer à une concurrence déchaînée. Pour l'emporter sur leurs concurrents. Mais quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe Mais pour avoir, pour attirer les capitaux, pour attirer des actionnaires, les entreprises de télécom distribuent des dividendes importants aux actionnaires qui font que les riches vivent maintenant très très riches, mais ça leur pose un problème, c'est-à-dire qu'ils investissent moins, ils investissent moins dans le renouvellement de leur technologie et dans leur appareil productif, et donc les États-Unis ont quasiment cessé d'innover sur ce plan-là entre 90 et 2000. Euh, ça, c'est une indication euh, très claire. Je trouvais ça dans les pages euh, économiques euh, d'un journal tout à fait mainstream, disant, voilà, euh, ils ont laissé aux opérateurs la liberté de choisir leur technologie, ils ont dérégulé, mais cette lutte fait que les firmes des États-Unis, comme Lucent et d'autres, se sont affaiblies, ont finalement été rachetées. Et, dit-il, voilà, la Chine a conquis une énorme avance. En 2017, en trois mois, ils ont construit plus d'antennes 5G que les États-Unis en trois ans. Donc, ça nous amène à la question fondamentale que je voulais soulever aujourd'hui. C'est comment ça se fait que cette économie chinoise acquiert une telle avance sur les États-Unis Parce que c'est en contradiction avec les discours qu'on nous sort. On nous dit euh, « la Chine c'est dirigée par un parti communiste et donc ça ne peut pas marcher ». Euh, le plan, c'est pas bon, il faut laisser les entreprises, c'est la liberté des entreprises qui fait que ça va mieux marcher. Moi, je vois une chose, euh, on doit réfléchir en dehors de tout préjugé là-dessus. On ne doit pas se dire euh, j'aime ceci, j'aime pas cela, j'aime les communistes, je les aime pas. On doit essayer d'analyser les faits et on doit essayer de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui dans l'économie actuelle et pourquoi. Et en fait, on doit, sur cette question, à mon avis, se dire en tout premier quelles sont les sources, qui m'a informé sur la Chine, de même que sur d'autres pays d'ailleurs. Si les sources d'information sont toutes basées en Occident, sont toutes contrôlées par des médias ou des groupes ou des think tanks qui en réalité n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une alternative et à ce que les gens regardent ailleurs, et des médias qui ont intérêt à nous dire qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a pas d'autre solution alors on doit se doit dire que nos sources sont pas correctes, qu'on n'a pas vraiment l'information complète et qu'on ne peut donc pas avoir une opinion. Donc je crois qu'il faut... Le premier réflexe dans ce genre de questions, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Et à partir de là, on peut vraiment réfléchir et se, se libérer de tout ce qu'on nous raconte. Et donc, euh, récemment, là, j'ai lu un, un petit bouquin très intéressant. Euh, une remarque encore, parce qu'il y a en... En France, en Europe, il y a beaucoup d'arrogance chez les intellectuels. « Ouais, la Chine, ça vaut rien. Euh, d'ailleurs, la Chine, c'est devenu capitaliste, c'est fini, il ne faut plus rêver. » Et donc, je crois qu'on doit, ne on doit pas se laisser impressionner. On doit, pas, on doit sortir des préjugés, des clichés qui sont répandus autour de nous, sur la Chine, comme sur Cuba, comme sur tout plein de, de pays d'ailleurs. Venezuela, bien sûr, dont on parlait la semaine passée avec Romain Migus. Et on doit quand même reconnaître une chose. La Chine a sorti 650 millions de gens hors de la pauvreté en quelques décennies à peine. 650 millions. L'extrême pauvreté en Chine, ça n'existe plus. Et si on compare avec le fait que le, la Chine était très pauvre quand elle s'est libérée du colonialisme occidental et de la guerre, en 1949, la Chine était au niveau de la même pauvreté que l'Inde ou l'Afrique. Donc il faut comparer maintenant. Combien de pauvres il y a dans ces deux continents et combien, eh bien, il y en a plus en Chine. Et donc ça demande un peu moins d'arrogance, un peu plus de respect et surtout un peu plus. Euh, je ne demande pas à de trouver que Xi est un homme formidable, que il faut voter communiste. Je vous demande juste de réfléchir au fait euh, pourquoi ça marche. Et là, il faut se dire une chose. Si la pauvreté a été éradiquée, c'est parce qu'il y a une économie contrôlée et une économie planifiée. Avec une direction. Et c'est quelque chose qui ressort très très bien dans un petit bouquin de Rémi Herrera. Avec le reflet, je me demande si vous pouvez lire les auteurs. Mais bon, c'est Rémi Herrera, Chiming Long. C'est paru aux éditions critiques. Et le titre est La Chine est-elle capitaliste J'ai trouvé là-dedans, bon, la Chine, c'est un pays que je suis depuis longtemps. Ça, je pense que c'est ultra important ce qui se passe là-bas. Et j'ai trouvé. Euh, plusieurs chiffres très intéressants, peu connus, sur lesquels il faut réfléchir. Herrera euh, et son collègue indiquent qu'en en fait, il ne faut pas croire que c'est maintenant que la Chine serait devenue capitaliste, que son économie s'est développée. Ils indiquent que en fait le taux de croissance du PIB, donc de la production globale du pays, avait déjà été très élevé. Pendant les dix années avant la décision d'ouvrir le pays, d'ouvrir l'économie au système mondial et d'importer de, des usines et d'exporter de, des produits. Le taux de croissance économique de la Chine, dit-il, atteignait déjà 6,8% entre 70 et 79, soit plus du double des États-Unis dans cette même période, donc avant la crise économique. Ça, c'est une première chose euh, sur la croissance de la Chine. Une deuxième chose qui est totalement euh, passée sous silence chez nous, c'est que si le système économique chinois est fort, c'est parce qu'il reste un secteur public très très important qui joue un rôle décisif, un rôle de moteur dans l'ensemble de l'économie, y compris les secteurs privés. Je lis ça parce que ça vaut vraiment la peine de réfléchir. Une explication, dit Herrera et Chiminglong, uh, une explication de la force de ces entreprises publiques chinoises et qu'elles ne sont pas gérées comme les firmes transnationales occidentales. Ces dernières, cotées en bourse et tout orientées vers la logique de la valeur pour les actionnaires, exigent une maximisation de la distribution des dividendes à leurs propriétaires, exigent des retours rapides sur investissement et dit-il, ils fonctionnent en pressurant une chaîne de sous-traitants domestiques ou délocalisés. Si on a des exemples tout pleins des multinationales de l'automobile, du textile, de toutes sortes, IKEA, qui euh, imposent des salaires de misère à leurs sous-traitants. C'est comme ça qu'ils arrivent à gagner la bataille de la concurrence. Mais, faire remarquer Herrera, si les groupes publics chinois se comportaient de façon aussi rapace, ils agiraient au détriment des petites et moyennes entreprises locales et plus largement de tous les tissus industriels nationaux. Et ça ne pourrait plus entraîner une croissance économique aussi dynamique. La plupart de ces grandes entreprises chinoises sont rentables parce que la boussole qui les guide n'est pas l'enrichissement d'actionnaires privés, mais les priorités dirigées à l'investissement productif. Donc, ils investissent beaucoup plus dans le renouvellement de leur appareil productif que comparé aux États-Unis et à l'Europe, et, dit-il, au service rendu à leurs clients. Peu importe. Que leurs profits s'avèrent moins élevés que ceux de leurs concurrents occidentaux, si elles servent en partie au moins à stimuler le reste de l'économie domestique et à dépasser une vision de rentabilité immédiate dès lors que leur commande des intérêts stratégiques supérieurs. Et donc, ils versent peu de dividendes à l'État actionnaire, approximativement 10%. Et donc, selon Herrera, et je pense qu'il a raison, c'est ce, ce secteur public qui reste important reste. Euh, un facteur clé de, de, du développement de l'économie chinoise. En fait, il y a. Euh, J'ai tantôt, tantôt dit que les groupes privés de télécom aux États-Unis n'avaient plus fait tellement de euh, recherche et de développement. Et en fait, ils étudient, les auteurs étudient comment ça s'est fait en Chine. Et euh, je cite L'investissement dans le secteur de l'éducation a été très important et a visé une massification de l'éducation depuis donc le début de la révolution avec mao. c'est un des piliers essentiels de la stratégie de des succès de l'économie chinoise. et là-dessus, je me souvenais d'une lecture que j'ai faite récemment. je travaille pour l'instant sur les fondations des états-unis pour un prochain bouquin. et je lisais dans un bouquin paru aux états-unis que dans les années 60, la Fondation Rockefeller, qui est très connue pour sa philanthropie, entre guillemets, et qui s'occupe beaucoup d'éducation, avait sorti toute une série de rapports disant qu'il ne fallait surtout pas que les pauvres aillent à l'université aux États-Unis, qu'il fallait vraiment faire en sorte que euh, les universités restent euh, réservées à l'élite bourgeoise et qu'il fallait de l'enseignement, bien sûr, pour les pauvres, mais pas du tout du même niveau. Donc ça, c'est une, une contradiction totale. Et je crois que ça joue un rôle très, très important dans le, le développement. Et euh, bon, c'est Rera qui, qui le dit. Un autre argument sur euh, euh, le succès des Chinois, c'est de dire, oui, mais c'est parce qu'ils ont mis tout à l'exportation, ils ont des usines avec des conditions salariales très basses, et tout à l'exportation, donc c'est une croissance artificielle. Et voilà. C'est un, un succès, c'est une manière d'expliquer le succès comme éphémère. En fait, Herrera euh, explique dans son livre que en fait les coûts salariaux ne représentent qu'une très faible proportion des prix de vente totaux des produits exportés chinois, en fait pas plus de 10% en moyenne. Et, euh, dit-il, même si les salaires ont tendance à croître beaucoup plus vite en Chine que dans les pays concurrents du Sud, ça ne compense pas les frais de transport vers les pays importateurs, qui sont évidemment plus importants, puisque la Chine est loin des marchés où elle vend. Et donc, explication Herrera, c'est que le succès de la Chine à l'exportation est en réalité dû surtout aux charges moins lourdes des produits fournis par les grandes entreprises publiques au récédé de l'économie à des prix relativement bas. Donc si le secteur public a des prix relativement bas et comme ça développe l'ensemble de l'économie, c'est ça qui peut donner un avantage intéressant. Et évidemment, j'ai oublié de dire quels étaient ces secteurs des entreprises qui restent publiques en Chine. Euh, il y a les euh, carburants, il y a euh, les, la sidérurgie, bien entendu, il y a euh, le pétrole, la banque. Euh, le, le gaz, les transports, les télécommunications, l'armement aussi. et donc, c'est un secteur public important. et en fait, euh, les salaires en chine sont carrément en train d'augmenter. et on est carrément en train, en fait, d'avoir un autre modèle de développement en chine. c'est-à-dire que c'est surtout la croissance intérieure, la croissance de la consommation de la population qui va stimuler l'économie chinoise. Et en fait, j'ai lu quelque part, si je le retrouve, que oui, voilà, on croit toujours, oui, la Chine, c'est un pays qui vide ses exportations. Et, euh, souligne Herrera, la part des exportations a été très forte au début des années 2000, plus de 35%, mais le gouvernement chinois a pris des mesures pour limiter ça, et c'est maintenant seulement 20%. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer. Dans la zone euro, la part des exportations dans l'économie est de 45%, l'Allemagne 36%, la France 30%. Donc en fait, ils dépendent plus de leurs exportations que de la Chine. Bon, je ne vais pas me lancer dans un énorme cours d'économie, mais c'est à mon avis important de comprendre, au-delà de ce qu'on nous raconte ici à la télé, qu'en en fait une économie avec une direction centralisée, avec une planification euh, organisée, qui n'est donc pas dans l'intérêt à court terme, qui n'est donc pas dictée par l'intérêt d'une petite minorité du 1% qui dirige les multinationales, est en fait beaucoup plus efficace que l'absence de planification qu'il y a aux États-Unis et, euh, et en Europe. Donc je crois que ça c'est une, une réflexion intéressante. J'avais euh, soulevé cette question dans le livre Pourquoi Soral Séduit où j'analysais le, le fonctionnement du, du capitalisme et euh, j'avais souligné que justement, euh, page 263, que les États-Unis ont depuis longtemps identifié la Chine comme étant le principal danger pour leur domination sur le monde. Brzezinski déjà disait il y a plus de 20 ans, la Chine peut être le pilier d'une alliance anti-hégémonique euh, Chine-Russie-Iran contre les États-Unis. Je rappelle que les États-Unis ont délibérément bombardé l'ambassade chinoise en 1999 à Belgrade, faisant trois morts. Et donc, il faut vraiment réfléchir à cette, cette grande confrontation que j'ai analysée dans ce livre. Mais on a besoin de, de plus pour travailler là-dessus. Et c'est pourquoi j'ai euh, chez un éditeur euh, flamand ici en Belgique qui s'appelle EPO. J'ai découvert un livre très intéressant d'une scientifique des États-Unis, America Teen China. Je ne dois pas vous traduire, les États-Unis contre la Chine. Et cette chercheuse britannique analyse la guerre froide, ou plus que la guerre froide peut-être, qui risque de venir entre les États-Unis et la Chine. Elle relève des euh, déclarations importantes euh, que les conseillers gouvernementaux aux États-Unis disent à Trump, la Chine est notre ennemi aujourd'hui et à l'avenir. Il y a d'ailleurs eu un, des plans au Pentagone de manœuvres militaires qui s'appellent Air Sea Battle, et c'est clairement la préparation d'une guerre totale contre la Chine. Et Steve Bannon, le conseiller de Trump, avait déclaré, d'ici 5 à 10 ans, nous menons la guerre dans la mer de Chine du Sud. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, elle relève qu'il y a des facteurs qui euh, montrent que ça pourrait dégénérer en une guerre entre les États-Unis et la Chine, d'autres facteurs qui vont contre cela. Mais je pense que ce qui est très important, c'est de, de vraiment comprendre euh, pourquoi tout cela se déroule, comment ça fonctionne. Et euh, puisqu'on parle de la pauvreté et qu'on parle des gilets jaunes, ben, il faudrait aussi étudier l'expérience des pays qui ont réussi à éradiquer la pauvreté. Je regarde un instant parmi vos questions et vos commentaires. Euh... Oui. Euh, voilà, voilà. Euh... Les Chinois n'ont pas rétorqué officiellement. Oui, il y a eu des, sans... des contre-sanctions qui ont été prises. Euh, généralement, bon. Les, les Chinois, ils ont un intérêt à ce que ça se calme. Mais ils n'ont pas du tout des raisons d'être agressifs comme les États-Unis parce que les États-Unis sont en déclin. Donc, ils sont désespérés, ils ne savent pas que faire. Il y a des opinions qu'il faut laisser la Chine monter. Il y des opinions qui disent qu'il faut au contraire être très euh, agressif pour les contrer. Là, j'avais préparé un petit euh, cartoon assez rigolo euh, qui illustre bien la division de l'élite des États-Unis sur ce qu'il faut faire. Vous voyez Trump là qui est en train de euh, réveiller le dragon chinois et il dit « Eh les gars, vous êtes sûrs que vous savez bien ce que vous faites ?» Et en fait, il s'en prend à Merkel, à Theresa May, et c'est du mieux, ben, je ne sais pas qui c'est, euh, qui sont en train d'exciter euh, l'ours russe. Et donc, j'en ai parlé... Euh, notamment dans le livre USA, les 100 pires citations, sur cette idée qu'il y a aux États-Unis des gens qui veulent, comme Hillary Clinton, déclencher la guerre et contre la Russie et contre la Chine, avec tous les risques que ça, en coup, que ça implique, et des gens comme Trump qui disent, on va plutôt essayer d'attirer Poutine de notre côté pour le tourner contre les Chinois et faire un grand fond contre la Chine. Bon, euh, quoi qu'il en soit, on, euh, on a intérêt vraiment à réfléchir qu'est-ce qu'il y a derrière les stratégies. C'est toujours des problèmes économiques et on a vraiment intérêt à, à étudier ces problèmes économiques. On va essayer de faire les choses plus, euh, plus à fond. Je vois encore euh, des commentaires intéressants. Euh, Agnès Tito, je pige pas, il peut faire arrêter quelqu'un au Canada. Ben oui, euh, euh, vous savez bien, les États-Unis euh, considèrent que leur loi ne s'arrête absolument pas. Euh, à leurs frontières et donc non seulement ils font arrêter quelqu'un au Canada mais ils font aussi arrêter en Grande-Bretagne quelqu'un qui n'est pas euh, citoyen des États-Unis qui n'a commis aucune infraction aux États-Unis qui est euh, un citoyen d'un autre pays et euh, ils le font arrêter par la justice britannique je parle de Julian Assange bien entendu un combat qu'il faut pas arrêter Khalil à Saint-Brieuc euh, je suis allé là il y a deux trois semaines pour une très chouette conférence donc euh, je fais mes hommages, mes salutations aux gens de Saint-Brieuc qui m'ont accueilli très chaleureusement. Que peuvent la gauche, dit Khalil, les mouvements progressistes, que peuvent-ils offrir aux petites gens qui semblent donner leur suffrage à une droite qui a toutes les manettes de l'économie et a les moyens de sanctionner les gens ou de leur faire peur à la manière des États-Unis Que peuvent la gauche et les mouvements progressistes Je crois que... On a des indications de partis qui le font, par exemple. Le succès dont j'ai parlé au tout début du PTB, il est dû clairement à ça. Euh, une explication et des revendications très très claires, bien compréhensibles pour défendre le pouvoir d'achat et les conditions de vie de la majorité de la population. Et je crois que, comme je l'ai dit au début, euh, pour ceux qui nous ont pris en cours, il est très important de combiner ça avec une explication sur les causes de la guerre, puisque c'est la guerre qui produit des millions de réfugiés, des millions d'immigrants et qui affaiblit la classe ouvrière de nos pays par, euh, en dressant les gens, les gens les uns contre les autres. Donc là, je crois qu'on est en défaut et je crois qu'on a un beaucoup plus grand effort de pédagogie et de communication à faire sur ce plan-là. Euh, voilà, encore beaucoup d'autres remarques, mais euh, je vais vous euh, euh, laisser retourner manger maintenant. Euh, je signale que le 4 juin, il y aura un Michel Midi, mais ça dépendra d'actualité, le thème n'est pas encore fixé. Le 11 juin, j'aurai Mohamed Hassan qui va parler de l'agressivité des États-Unis contre l'Iran, mais agressivité aussi de l'Arabie saoudite et d'Israël. Est-ce qu'on risque la guerre là-bas aussi Il va analyser les dessous de cette guerre-là. La semaine d'après, J'aurai avec moi Thomas Suarez, qui va, euh, pas la semaine d'après, ce sera un midi, euh, Michel Midi Spécial, pardon, le 13 juin. Euh, Thomas Suarez, Comment le théorisme a créé Israël, un livre qu'on a créé chez nous, parce qu'en fait, le 12 juin, et là je vous montre la très belle affiche qui a été dessinée par notre graphiste Joël, que je remercie, un très très grand talent, le 12 juin, je participe à un débat ici à Bruxelles avec... Thomas Suarez, donc, auteur du livre « Comment le terrorisme a créé Israël », avec Julie Stendham, qui est une militante de Intal, nos partenaires pour ce débat, qui est une militante pour le boycott, et moi-même. Les... Euh, donc, c'est à l'Horloge du Sud, à la rue du Trône, euh, le mercredi 12 juin à 19h. Et, bien entendu, on va sûrement avoir un déchaînement du lobby sioniste pour essayer de vous faire peur et vous empêcher d'assister. Où ils vont continuer à faire des pressions et de la diabolisation en racontant que je suis antisémite et des autres euh, mensonges de ce genre. Et c'est bon, pourquoi j'ai mis en dessous de l'affiche un point important que je vous demande de diffuser. De, de diffuser. diffuser et assister, c'est défendre la liberté d'expression. Voilà, vous avez ici le détail Thomas Suarez, euh, moi-même, Julie Stendham, Horloge du Sud, rue du Trône. Voilà. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, nous. Nous avons des responsabilités importantes pour diffuser encore beaucoup mieux euh, nos analyses, nos explications sur les causes de l'immigration, de la pauvreté, sur les guerres et sur la question d'Israël qui est cruciale au Moyen-Orient. Et donc, euh, Investigation va, euh, la semaine prochaine, lancer un appel au soutien financier. On a pu développer notre équipe, on a pu développer nos activités, mais on fait encore beaucoup trop peu. Il y a toute une série de choses très importantes qu'on ne peut pas le faire. Je vous enverrai une newsletter dans quelques jours vous expliquant pourquoi on a besoin de votre soutien, pourquoi on doit, pourquoi on doit pardon, augmenter les dons que nous recevons de, vo de votre part pour nous permettre d'engager, de réaliser plus de projets. Pour nous permettre de renforcer la bataille des idées. Donc, vous recevrez une newsletter. Vous pouvez déjà nous contacter à l'adresse doninvestiaction.net que je vais afficher dans un instant pour nous écrire et nous dire voilà si vous pouvez nous soutenir. Des petits dons, bien entendu. On sait que vous n'êtes pas riche, mais c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et avec ça, nous allons pouvoir développer beaucoup notre euh, programme. Le livre de Woodward, euh, États-Unis contre Chine. J'ai le projet de le, de le traduire et de le publier chez Investigation. C'est un livre qui va beaucoup vous intéresser. On a une série de livres qui se préparent et donc des grosses factures d'imprimeurs à payer maintenant et prochainement. On essaye de garder les prix des livres très bas pour qu'ils soient accessibles à beaucoup de gens. Et donc, on a besoin vraiment de vos soutiens pour pouvoir mieux encore faire notre travail. Voilà, je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.